On se retrouve sur Project Castaway, un nouveau let's play donc, qui va remplacer le let's play de Raft. Raft que je continuerai bien sûr à faire, hein, il y aura des épisodes que je produirai de temps en temps. Voilà, pour ne pas bien sûr perdre le fil du let's play. Et on a encore tellement de choses à faire sur Raft, moi j'apprécie également ce jeu. C'est vrai que le choix était très difficile à faire, c'est pour ça que j'ai demandé votre concours pour choisir le jeu à dégager, entre guillemets, attention. Voilà, donc là, Project Castaway, on y a joué il y a peu. C'était lors de la démo du jeu qui est sorti il y a quelques mois. Et bon, j'avais accroché. Visiblement, beaucoup m'avaient accroché également, car il avait plu. Donc là, on est parti sur l'accès anticipé qui vient de sortir donc, ce jour, le 23 septembre 2024. Et on m'avait dit qu'il était... qu'est-ce qui se passe, on m'avait dit qu'il était en anglais. Sur Steam, on voit aussi que la langue française n'est pas d'actualité. Mais là, je vois un nouveau jeu et continuer. Donc pour l'instant, c'est du bonheur, c'est en français. Allez, on est parti. Nouveau jeu. Ouais, survie, on a du... bah là, ça sert à rien. Allez, c'est parti. Survie, go. Donc, on se retrouve dans l'avion. Ça, c'est classique, hein. Je crois qu'on peut le diriger. Ouais, donc tout est en anglais, en fait. Il n'y a que le continu et nouveau qui est en français. On y a cru. Bon, je cherche mon oncle, Simus Elvary. Il est plus que ma famille, c'est mon héros. Ah ouais, j'ai quelques notions d'anglais quand même. Bon, j'ai pas tout traduire parce que j'ai pas le temps. Puis bah, je peux pas non plus. Faute de mots. Ah, je tourne sur 5-6 mots, pas plus, hein. La dernière fois qu'il m'a parlé, que nous avons parlé, il m'a dit que voilà. Ouais, il est dans le mystère et le danger. Voilà. Mais j'ai senti qu'il n'avait pas le choix. Ma mère est malade et mon père est parti il y a quelques années, c'est ça? Je pense que l'oncle Sim a pris ce job parce qu'il se sentait responsable. Bon, bref, je vous laisse lire hein, pour les anglophones. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Quand on comprend plus ou moins ce qui se passe. Hein. Donc mon plan est de commencer dans les Caraïbes et de travailler, mais maintenant je ne suis pas sûr de pouvoir le faire ou d'y arriver, j'en sais rien. Donc si c'est la fin pour moi, dites à mon oncle que c'était un homme bien. Donc le mec il n'est même pas encore arrivé qu'il a déjà une perte de tension, ça y est. Il est dépressif au plus haut niveau, bah t'as qu'à sauter directement. Ah oui? Donc là j'ai pas le choix. Avant on avait le choix de piloter, là j'y arrive pas. Ok. Allez on monte. On est parti. Faut qu'on aille par là. Mais non tu vas pas par là Maurice, c'est par là qu'il faut aller. Là le crash de l'avion. C'est quoi ça? Ah oui non, bah il est beau. Bonjour monsieur le requin. Je suis désolé hein, Je dois aller sur l'île. Laissez-moi tranquille. Alors déjà, je peux apercevoir une sorte de tour métallique. Chose que nous n'avions pas lors de la démo. D'ailleurs, lors de la démo, il y a eu pas mal de changements. Il y avait pas mal de mages et à chaque fois, des îles apparaissaient de plus en plus. Donc on voit pas grand-chose. Donc on se rappelle qu'il faut ramasser des choses. Genre ça. Là, on a une caisse. Broken, ouais, bah Broken, t'es mignon toi. Et je me souviens aussi qu'on avait un didacticiel à l'époque. Oui. Alors là, on a quoi? D'accord. Alors j'ai mis ça comme ça. Donc on est d'accord qu'on n'a aucune indication pour l'instant. Voilà, faut que je me souvienne qu'il y a quelque chose à récupérer. Bon, puis on va s'installer là pour l'instant. Ouais, on est pas mal. C'est quoi ça? Drop, J. Ok. Un ventilateur. Ah, cool! Là, bien sûr, du métal. Ok. Les petits bâtons, je vais les prendre. Les plaques, les... Tout ça, je prends. Ça, je prends. Et sur quoi? De la manure? Qu'est-ce que c'est que la manure? C'est quoi? C'est des crottes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a été pas ça, la manure? Ouais, bah dépose ça là, allez. Alors, on ouvre. Là, direct, il faut que je me fasse... Qu'est-ce qu'il a, lui?
Case tracker, ok. Et pour l'instant, bah, on va attendre un peu. Hein. Ce que nous on va faire, c'est se protéger rapidement. Qui m'attaque? Oh, mais sérieux, j'ai rien pour me battre. Tu vas me lâcher, toi, Maurice? C'est barré? Bon. Non, mais dis donc. Lâche-moi la grappe. Ah, il me faut une stone. Mais moi, pour l'instant, il me faut une hache, surtout. Stone axe. Donc, il faut une pierre. La pierre, on l'a eu tout à l'heure. Elle est là. Ok. Et là, il faut que je la smash pour la péter en plusieurs morceaux, c'est ça? Oui, exact. Donc, on récupère les petits morceaux en la pétant par terre. Ensuite, je réouvre mon bouquin. Et je craft ma première hache. Donc là, elle peut revenir, la grosse bête, je vais la défoncer. Là, on récupère un peu de bouffe. Ok. Ça me met 1000 morceaux, on récupère des morceaux du crabe. Alors, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On va péter quelques armes. Ah, il y a des bouteilles en verre. Donc bien sûr, la hache a une durée de vie, vous l'aurez compris. Allez, on va stocker ça là. Je récupère surtout les feuilles. Ah, une petite noix de coco, on pourra se nourrir avec ça. Ok. Donc maintenant que j'ai ma hache, on va regarder ce qu'on peut faire. Je vérifie quand même qu'il n'y avait pas de quête. Non, il n'y a pas de quête. Par contre, on a des notes tout en anglais. Bon, voilà. Vous lirez. Hein. Faites pause. Tac, tac. Voilà. Et voilà. Ah, mais je suis obligé. J'ai pas le choix. Ah, c'est quoi ça? Plan blueprint. Plane blueprint. Blueprint, ok. Il va falloir qu'on s'associe oui, un récupérateur d'eau. Une tente. Bon, le radeau, on va attendre un peu. Hein. Pour l'instant, c'est la survie. Hein. Donc là, il faut qu'on se protège. J'ai refait un bandage déjà. Ok, ça c'est fait. Ensuite, en arme, small stick, stone yard. Voilà, on va faire une lance. Ça, c'est pas mal. C'est un couteau que j'ai fait. D'accord. Ah ouais, non, mais vous savez, c'est pas forcément évident pour moi l'anglais. Donc, je fais ce que je peux. Hein. Donc, can be used. D'accord. On a quoi d'autre? Bah, je peux pas débloquer pour l'instant. Donc nous, avec ça, on va faire quoi? Une tente. Rapidos, d'ailleurs. Je vais faire la grosse. Ouais, direct. Il en faut 6 et 4. Ça fait un peu juste. Que là, voilà. On peut éventuellement la poser. Poser le blueprint. J'avais bien, je crois, sur la démo, j'avais mise face à la mer, comme ça. Enfin, à l'opposé. Et donc là, on récupère les ressources et on les stocke dedans. Bon, bah écoutez, je peux pas la mettre. Ça va m'énerver dans pas longtemps, ça aussi. Ok. Ça, je peux récupérer. Car le soleil va taper et on risque aussi d'avoir des insolations. Il a fait ça, il a fait tomber ça où? Ah, j'ai tout perdu! Ah, ça commence à bugger déjà. Allez, donne ça. Voilà. Il y a peut-être un sens, hein, il y a peut-être une logique dans tout ça. Donc, peut-être que je dois poser avant des larges sticks. Les larges sticks, logiquement, on peut en trouver sur des feuillus. Alors, les feuillus, j'en vois un là-bas. Il faut faire attention à une bestiole à l'attaque. Il y en a un là et un là. Ils sont tout petits. Voilà. Je peux peut-être en prendre 4. Vas-y, pose ça par terre. Ok. 4. Parfait. On a quoi ici? Des champignons bleus. On va prendre.
Les champignons bleus et blancs. Ok. On y retourne. Ah, le bonhomme a faim aussi, hein. Attention. On va se manger la noix de coco qu'on a récupérée. Bon, il y a quelques lags. Ah, est-ce que je peux les poser, là? Mais sérieux? D'accord, c'est ces touches-là pour les mettre. Super. On aura tout vu. Dac. Alors, on poursuit. On enchaîne. Encore 6 sticks. Alors, par contre, déjà, ce qu'on va faire. Non. Tu sors. Tu récupères. De l'autre côté. On va manger ça. Hop là. Crab body. Ça, c'est une coconut encore. Voilà. Ça remet un peu de nourriture dans l'estomac. Ah, c'est pas forcément encore la grande panacée, mais bon. Là, on avait une caisse à péter. On va la péter direct. On peut la péter ou pas? Non, il faut un marteau. Ok. On fera ça après. Ah, j'ai quelques frises. Hein. Il nous faut encore des petits arbres. Il en faut encore 3. Ah, je fais attention sur l'île. Celle-ci, je la connais pas. Bon, celle de début, hein, j'imagine qu'on peut nous mettre des jaguars et des panthères. Mais restons quand même, malgré tout, vigilants. Là, on a un feuillu. Je ne peux pas péter. Mais je suis coincé. Non, c'est bon. Ok. Donc là, on récupère. On a une lanterne. Cool. On a récupéré une lanterne. Alors, à quoi elle sert? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai besoin d'arbres. Ça ne dérange personne. Je vais la récupérer. Vas-y, je vais la ramener. De la déco, j'en sais rien. Peut-être un petit côté RPG au jeu, je sais pas. Voilà, on va les mettre par terre. Et puis on va aller de l'autre côté, hein, pour trouver des feuillus. Ah, c'est incroyable, si j'en trouve pas, c'est la fête du slip. Hein. Il y en a. Ok. Voilà, une grosse tortue. On reste tranquille pour l'instant. 2. Ok. Donc là, tu les poses bien là. Ils sont où? C'est Debilos 4. Et le dernier là. Donc attendez, je vais les mettre ici. Pour être sûr de les voir quand même malgré tout. Allez, on tape tout ça. Hop, 2. 4, 5, 6. Très bien. Donc là, on a les derniers larges sticks. Il y a quoi là? Des ginger? Ouais, c'est du gingembre? J'en sais rien, si je dis ça. Hop, donc là, on place. Non, alors, ouais. Ça aurait pu être intéressant. En fait, de ce que tu viens de faire, tout le monde s'en fout, quoi. Hein, faut que tu les poses. Voilà. Encore 4 feuilles. Et au moins, on pourra se mettre à l'ombre. On va récupérer ça, et puis au passage, on va récupérer des cocos. Car la fin est là, quand même. Omniprésente. Paf. Et pas trop solliciter non plus ma hache, hein, car il faut quand même des ressources particulières pour la fabriquer. Et pour l'instant, je n'ai rien. Hop, on pose. On récupère malgré tout ça. Ah, j'aime bien dire malgré tout, hein, je sais pas si vous l'avez remarqué. C'est intéressant comme mot. Et voilà, la tente est faite. Bon, c'est déjà une bonne chose. On est protégé un peu du soleil. Maintenant qu'on est dedans, on va pouvoir se faire le lit éventuellement. Avant, je vais voir si je peux faire le marteau. Stoneyard. Il faut que je pète une pierre. Allez, on va faire ça tout de suite. Non. Il faut qu'on fasse, avant toute chose, les choses vraiment essentielles à la survie. Il faut qu'on fasse un feu. Là. Fire, des small sticks, il m'en faut 5. J'en ai combien? 0. J'en ai forcément. 1, 2. 2, 3 et 4. D'accord. Donc nous en faisons un dernier. Là. Nickel. C'est tout. Ça me paraît bizarre qu'il m'en faille que 5. Il faut aussi des pierres pour faire ça.
Ah, c'est ça que je veux. Non, c'est ça, c'est plutôt un camp. Le campfire qu'on mettra juste là. Ok, et donc là on peut balancer logiquement du sticks. Ok, coin de pierre 6. Ah, par contre, récupérer des pierres, c'est notre paire de manches. J'en ai déjà une là. Plus que 5. On va se promener, hein. C'est au petit bonheur la chance hein, dans la forêt là. Et trouver par terre, c'est compliqué. Il hein. N'y a pas de surbrillance. C'était quoi ça? Là. Ah, une pierre. Bah, c'est grâce à ça qu'on les repère. Hein. C'est quand elles sont en surbrillance. Faut avoir l'œil. Hein. C'est pas mon cas. Voilà, j'en ai une deuxième. 3. Je sais plus si c'est 3 ou 4 qu'on peut récupérer dans ces 3. Alors, attendez. Je vais les mettre là parce que là je sais qu'il y en a une. Je vais éviter de chercher pendant 2 heures. Et une petite dernière, allez. Bon, on l'a déjà la petite dernière, mais j'ai quand même essayé d'en récupérer une troisième. Car des pierres, j'imagine qu'il nous en faudra. Malgré tout. Ah, sérieux? Où sont les pierres? J'en trouve 5 coup sur coup et voilà, il m'en faut une sixième. Négatif. Ah, par contre, là, on a du tissu bien. J'ai besoin de refaire une hache, j'ai ce qu'il faut. On est où là? D'accord. C'est quoi, c'est une voiture ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah là là, moi ça devient n'importe quoi. Bon, je sens qu'on va s'amuser et je suis curieux de faire le marteau. Car le marteau, il va me servir. Ah bah non, en fait, la pierre que j'ai récupérée, c'est une des trois que j'avais balancées. Bah non, sur là. Bon, très bien. Il y a tout ce côté-là à faire, je pense. Pour découvrir des choses. Donc pareil, hein, l'insolation peut vite nous atteindre. Si on ne fait pas attention. Peut-être faire un récupérateur d'eau également. Il me semble. Hein. Ça peut être très utile. Là, il faut que je pose dessus. Alors le sac. Normalement, c'est de la bouffe. Manure, animal dropinzat. Ouais, d'accord. C'est bien ça. De la bouffe crabe. Non. Est-ce que je peux mettre ça? Non, je peux rien mettre. Hein. Est-ce que ça cuit ça? J'en sais rien. Ok, pas grand chose pour l'instant. Je prends le couteau. On va voir si là j'ai plus de chance. Ah, j'ai un corps de crabe. Et le corps de crabe, à mon avis, celui-là, c'est important. Alors donnez-moi ça. Corps de crabe, c'est là. Ok, ça dégage. Et je mets deuxième corps de crabe ici. Et normalement, là tu récupères. Ah, récupère. Voilà. Là je peux mettre éventuellement la pince. On va voir hein, si ça cuit. J'en sais rien du tout. Hot stick. Ok. Et phare. Fire, on est parti. Ah oui, tape F à fond. Ah ouais, faut taper comme un gros. Faut remplir la barre. C'est ça qu'il faut y aller quand même. Faut être énergique. Hein. J'avoue. Donc la pâte cuit visiblement. On a de la chance. On va attendre car ça va assez vite. J'ai peur que ça soit cramé. Car il faut absolument qu'on mange. On a une autre coco. On va la garder. Pour l'instant. Là j'ai des pâtes, des rotten. Rotten crab arm. Ça c'est cuit. Je récupère. C'est cuit. Et c'est cuit. D'accord, je peux pas les récupérer comme ça. Hop, hop, hop. Et j'en profite. Non, tu te mets là comme ça. Je vais en profiter d'avoir ce feu pour faire chauffer 2-3 trucs. Et là, pourquoi ça cuit pas? Ah, je suis surpris. Ouais, bah écoutez, ça cuit pas, ça cuit pas. Nous, par contre, ça peut nous empêcher de manger. Ouais. On mange. Yes! L'estomac se remplit, enfin. Le deuxième.
Enfin, c'est bizarre quand même, la façon de manger là. J'ai un peu de mal. Voilà, c'est bon. Ça se remplit. C'est quoi qui passe à côté de moi là? Oh là, mais dégage toi! Mes pattes ont-elles cuites? Non. On est d'accord que rien n'a cuit. Hein. Je vais voir si je peux la manger quand même. Mais non, ça il est malade. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Sérieux? Ah, dégage. Là, je le sens pas. Lui. Allez, on va aller chercher tout ça. Je récupère un butterfly. Des stones. Alors, les stones, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre et je vais les péter. Alors, récupérer 2-3 morceaux. Ici, un bidon. Ouais, bon, ça, pareil. Hein. Ça, tu peux le poser là si tu veux pour l'instant. Là, je n'ai pas toujours pas de marteau. Plaque de tôle, je récupère. Ok. Donc, lit marteau. Alors, avant. Toujours. Bandage, on en a un. J'en ai un. Le récolteur de flotte, il est où? Dis-moi où il est. Ce sont les bateaux. On a quoi ici? Bateau. Ah, c'est pour faire de l'agriculture. D'accord. Walter. Ah, Walter, c'est ici. Allez, je vais le poser. On va poser le blueprint et je vais mettre ici. Ce qui est sûr, c'est qu'il va me falloir une tortue. La tortue. On en a croisé tout à l'heure. Bah, elle est là-bas. Allez, on y va. On va essayer de te la faire. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va me faire beaucoup de coups pour la tuer. Allez, allez mère, ne souffre pas plus. Ah là là. Voilà, parfait. Allez, on récupère tout ça. Ah, ça dégage. Hop. Des steaks de tortue, ça on va pas gâcher. Hein. Surtout pas gâcher. Les autres, je peux pas les prendre. Ok, allez. Il y a des mouettes qui se posent aussi, on peut les fumer à la fléchette. Hein. Bon, c'est un arc plus tard. Bon, les débuts, voilà. On tâtonne, mais ça sert tranquillement. Une corde. 8, 6. Ah, j'ai vu des choses. 6 feuilles de quoi ça? Banana. Et des larges sticks. Ah, mais des sticks larges, les gars. J'en ai pas cassé non plus. Hein. Ah, les bananes, elles sont où? Là, c'est ça? C'est ce truc-là? On va tenter. Bananatrice, c'est ça. Allez! Nickel, de la banane. Ah, c'est beau, ça. Je pose ça là-dedans. Et là, pour le coup, je vais peut-être remettre des choses à chauffer. Yes. Là, ça cuit. Ok. Et pour le coup, je vais attendre. Et pour le coup... Oh, je vais laisser ça pourrir. Ça va peut-être de la bouffe. Du fertilisant. Allez. Accélère un petit peu. Très bien. Ok. Et ok. Donc là il me manque des feuilles de bananier, on se dépêche de récupérer ça. Alors c'est pas mal, on récupère des cocos et des bananes. De la banane. Une là. Tac. C'est quoi, c'est pas un large, ça c'est un small stick. Eh oui. Mais les larges, j'en ai pas vu tant que ça. Hein. La corde, alors la corde on va rigoler. Enfin on va rigoler. Je trouve pas ça forcément drôle. La corde, mais pourquoi pas. Alors déjà, pardon. Là, ça on bouffe. Ça nous met un peu d'eau. Ouais c'est ça, ça remet de la flotte. Ça remet de la flotte et j'ai envie de penser ça que pour la corde il faut le métier à tisser. De mémoire. Il est là. Ok. Donc on va le poser
juste à côté. Il va falloir des small sticks. Parfait. J'en ai que deux. Metal sheet. Il est ici, metal sheet. Combien il en veut? Une. Impeccable. Allez, 6 six, six small sticks et ce sera bon. En même temps, il faut des larges. Ah, mais qu'est-ce que tu faisais là, toi aussi là? On est reparti. Ah là là! Notre débile est là. J'ai derrière. Ah, puis je l'ai aux fesses, c'est bon. Il m'a saoulé. Yuka. Ça, c'est ce qu'il me faut. Ok. Ça, il m'en faut pour le métier à tisser. Et on a dit qu'il nous fallait aussi des feuillus, des larges sticks. Donc là, on en a un là. Oh là là, bah, incroyable. 1, 2, ça s'en est un ou pas? Oui. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui fait ce bruit là là? Je vois pas en plus. Ah d'accord. Hop là, ouais, bah, je dégage. Je jette ça. Couteau. Putain mais quand elle accélère. Sérieux? Bon, j'apprends au cas où. Non, bah tu testes ça ici. Les deux, je les repérerai. En faut encore 4. Non, ça s'en est pas un. Ils se mettent en surveillance, hein. Ça s'en est un. Ah, j'aurais pu faire ça avec le bâton plutôt. C'est quoi ça? Une grosse tique. Qu'est-ce que tu fais là, mes mères? Ouais, mais t'as rien à faire ici, on est d'accord. Je les prends, on sait jamais. Ils peuvent servir pour... Ils peuvent peut-être servir sur des recettes d'antipoison ou de pâte. Antipoison, anticoagulant, j'en sais rien. On verra bien. De toute façon. Donc là, j'ai les 4. Plus les 2 qui sont ici. On monte à 6 hein, quand même, malgré tout. J'ai envie de vous dire. Et lui, il faut qu'il dégage, hein. Il commence à me saouler à tourner autour de ma petite baraque. Oh, mais sérieux! Et puis il m'a vu. Tiens. Ah, mais t'es un peu bête aussi. Voilà, c'est, il a peur. Il a peur ou pas? Oui, est-ce qu'il essaie de me contourner? Dégage! Bon, j'ai tout fumé, comme ça je suis sûr que tu m'embêteras plus. Voilà. Moi là-bas je voulais te laisser tranquille, mais bon, t'en fais qu'à ta tête. On récupère du Komodo skin et des beaux steaks. Parfait. Dégage. Merci à lui pour ce don généreux. Allez, on accélère, on accélère. Ah, c'est des small ici, oui. Là, et c'est les larges, ils sont là. Encore deux? Oh non. Bon, je me mets un petit peu. Ici, pourquoi j'ai crevé là? Je crois pas, j'ai un truc bizarre qui apparaît là. C'est quoi ça? Bandage, bandage, ouais bah j'en ai un. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je sais pas trop où je l'ai pris. Bon, quoi qu'il en soit, on va faire le lit car je vois que l'endurance, enfin l'énergie ici, on est vraiment très bas. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas... Ah, si, je suis empoisonné, c'est ça? Et je fais comment pour le poison? Donc j'étais probablement empoisonné par un animal ou un insecte, l'attaque d'insecte. Si je ne traite pas ça, je peux mourir. Très bien. For relief, try eating ginger. Ok. Ah bah ça tombe bien, parce que du ginger, il y en a là. On se rappelle, on l'a vu tout à l'heure. C'est quoi qu'il faut? Non, c'est quoi comme arme? Ah, dites-moi ce qu'il me faut là. Non, rien de tout ça. Oh mais sérieux, bah je vais crever. C'est ce que vous dites? Je vais mourir. Bah, je peux rien attraper. C'est pas forcément bien clair hein, le sigle. On dirait, je sais pas ce que c'est. Le petit dessin en haut. Ginger plante, mais... Ouais, on voit pas. Juste tenter avec ça. Non, super. Oui, je sais, je suis fatigué, il faut que je dorme. D'accord.
Bah, s'il faut qu'on dorme, on va faire un lit. Et le lit, il est là, ici. Ok, je vais mettre là, dans le sens. 6 palm bed. Ah, bah forcément, j'en ai pas une seule. Allez. Ma vie est basse. Ouais. Alors, ma vie, si elle est basse, on va tester un truc de dernière minute, mais bon, je promets rien. Hop, on applique. Mais bon, vu que c'est un empoisonnement, je pense pas que ça serve à grand chose. Voilà, allez. Là, je vais crever. Alors, le poison a disparu. Hein. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très fatigué, oui. Vas-y. Ah. Ok. Donc là, tu poses ça à l'extérieur. On fera le reste demain. Voilà, on dort. Paf. Donc là, on peut sauver. On va sauver. Parfait. Et on dort. Voilà, la barre d'énergie se remplit. Pareil pour la santé mentale. Ça revient également. Par contre, forcément, on perd en eau, en nourriture et en légumes. Je pense que ça, ce sont les légumes. Bah, tu dors encore. On passe à 18h. Par contre, j'ai faim. Hein. Ouais, c'est pas ça. Voilà, on se lève. Allez, galop. Ah, par contre, ouais, tu sauvegardes. Hop. Parfait. Maintenant, c'est. On va se lever de nuit. Je sais pas si vous voyez grand chose. Là, on a de quoi manger normalement. Donc, comme on a de quoi manger, on va manger rapidos. Donc, là, on a pris un peu d'eau. C'est important. Ici, on va se manger des steaks. Est-ce qu'ils sont cuits, ça? Ah la vache, je sais pas. Cookie. Si, c'est cookie, ça. Elle a été cuisinée, celle-ci. Donc, on la mange. Hop. Et voilà. Des bananes. On peut en manger. Ah, on mange tout, hein. Je mange tout car je n'ai pas envie d'être malade. Alors pour le coup, on va vérifier ce qu'on peut faire dans les potions là. Dans ça, bandage. Contre les rayons du soleil, ok. C'est pour prévenir des infections, des égratignures. Et ça on a quoi? Contre les infections. Aussi également les égratignures, ok. Et là, aloe gel, protégé contre le soleil, les rayons du soleil. Ah bah ça c'était un bandage. On était infecté. Très bien. Bon, c'est cool. Là, ça va se lever doucement. J'espère que vous voyez quelque chose. Au pire, je peux essayer de ramasser des petits bâtons et puis mettre ça là-dedans. Mais bon, les bâtons, je les vois pas là. Bon. Là, c'est un petit peu à l'aveuglette. Je ramasse 2-3 rondins. Tac-tac. Et je sais pas si on peut les péter pour en faire des petits bâtons. Ah, j'ai pété ma hache. Bon, très bien. Bon, on en refait une. Hein. On en refait une. Bah, reviens en arrière, Morisseau. Bah, pour l'instant, celle-ci, je peux pas les faire. Ah, la rope, je peux pas. Ah, ça, c'est parce que j'en ai gagné une tout à l'heure. J'ai pu la faire. Donc là, maintenant, il va me faire un small stick pour pouvoir faire un marteau. Non. Il faut que je fasse absolument que je finisse ça. Et ça, il me faut des small sticks. Il en faut 6 encore. Ah, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. 6, c'est énorme. Donc je vais faire le tour de la plage. Parce que là en forêt c'est trop sombre. Je risque de ne rien voir. Ah là là. Ah la catastrophe. Ah c'est la panique à bord là. Rendez-moi les small sticks. Là. 1. Bah tu le prends. 2. 3. Ça je prends. 4. 5 et 6, nickel. Donc pour le coup, on va pas rentrer les mains vides. Hein. Ah, de lemongrass, attendez, je vais en prendre. Est-ce que je peux couper? Oui, j'ai un couteau. Je peux la prendre comme ça, d'accord. On prend. New plant, lemongrass, j'en ai un. Je vais en prendre 3. Je sens que 3, c'est pas mal. Il fait déjà 37 degrés. Non, ça, c'est la température de mon corps, mais j'ai pas la température extérieure.
Ah, je peux en prendre que 4. D'accord. Rien d'autre ici? Si, un peu de tissu. Bah, une corde aurait été sympa. Car là, je vous cache pas que c'est un peu la misère. Là, il n'y a rien. Donc, on a une belle île en face là-bas, ça en fait deux déjà. Ah, puis ça, qu'il y a cette grosse construction derrière. Et ça, c'est. Voilà, on va se réserver pour plus tard. On ira quand on aura déjà au moins un toit, de l'eau à disposition. Ah, ça bouge tout seul. Quelqu'un essaie de me piquer mon bois, j'ai l'impression. J'aime pas tellement. Et une fois qu'on aura ça déjà, ce sera pas mal. Ce sera une très bonne chose. On va poser ici. Ok. Ça, c'est bon. Donc, j'ai du petit bois. On va poser ça tout de suite. Cool. Donc là, j'ai déposé du yucca. Et j'ai récupéré une corde, tout simplement. Je dépose un morceau de yucca et ça me fait des cordes. Tac, deux cordes. Et donc là, on peut se refaire donc cette hache. Ah, ouais, bien sûr, forcément, il faut des small sticks. On est reparti. Sur le jour se lève là. Est-ce qu'on a des small sticks ici? Oh là, il y en a plein partout. Sérieux? Il y a des petits, ouais, des petites caches comme ça, un peu partout autour de l'île. Je sais pas souvenir qu'il y en avait autant à l'époque. Ouais. Alors pourquoi pas? Alors pour le coup, on se fait bah le hammer aussi. Hein. Ça, pas de souci. Et on a dit le hammer. Et avec le hammer, il va se passer des choses. Ça se pète comment ça? Air start building. Ah, je peux le faire avec le hammer. Ça le pète. Allez, vas-y, pète-moi tout. Ok, ça c'est cool. Du cuir. Des screws. Un bolt, d'accord. Des vis. Foam. Ok, bon, on a occupé pas mal de ressources. Ça c'est plutôt une très bonne chose. Là on a quoi? Je peux rien faire avec ça. Ok. Par contre, avec le marteau, ce qu'on peut faire, c'est que maintenant qu'on a la tente qui nous a protégés pendant une nuit, avec le marteau, on peut faire des maisons en bois. Et oui. Ah, ça vous épate ça, mais c'est impressionnant. On peut le faire. On peut le faire. Là, ici, il me faut une corde. Donc tu la mets. Et des larges, encore deux. Allez. On fait ça. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Alors ça, je crois que je peux le péter aussi. Tout à fait. Du métal, je pense. Plastique, très bien. Ah, une pile. Des clous, des vis. Et du scrap métal, parfait. Ah, c'est vraiment une très bonne chose. Ça n'y était pas. Hein. Dans la démo. On n'avait pas accès à ce genre de jeu. D'item, de loot, dès le début. Ah, je l'avais repéré. Eh bien, là, Maurice. Paf, paf. Voilà, les deux sont là. C'est propre, on rentre. Et puis voilà, on va avoir fait notre récupérateur d'eau, notre rouet qui a tissé. La tente est faite. Ah ouais, mais ça va venir. Voilà, ça va venir. C'est le principal. Ici, je peux rajouter des petits bois. On en rajoute deux. Voilà, et puis on start, hein. Allez, j'ai des choses à faire chauffer. Je sais pas si je les ai encore les morceaux de viande crue. Je crois que je les ai. Hein. Et j'espère. Sinon on est mal. Hein. Et c'est logiquement c'est ici. Non. Là. C'est quoi ça, stone? White mushroom. Ah là là, je vais pas les avoir. Pourtant je les avais bien récupérés. Ah sérieux. Butterfly, close, manure. Ça s'accupe pas. Allez, je vire, je dégage ça. Bon, j'étais obligé de me refaire la tortue. Pas le choix. Il faut de la bouffe. Voilà. Comme ça, si je veux faire deux récupérateurs d'eau, au pire, j'ai ce qu'il faut. Tac. Et là, on récupère donc la deuxième carapace.
Je vais la déposer là. Pour l'instant, c'était pas utile. Par contre, on va se dépêcher de faire chauffer ça. Ça a pu me mettre où? Là. J'en ai que deux. Ah ouais. Bah, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Nickel. Ok. On va aller péter cette caisse. On va pas s'éparpiller. Peut-être du bois, peut-être des visseries. Là. Donc du cuir, du scrap métal. Ah, inventaire full déjà? Non. Vous me plaisantez. Qu'est-ce qu'il est beau. On peut te manger ou pas? En terre full, ouais, mais tout est full. Alors si tout est full, est-il possible, est-il pas possible de se faire un coffre? Ah par contre, faut que j'y ramasse. Hein. Et tu le prends? Pourquoi je peux pas le manger là? Bah... Eh Maurice? Ah, je peux pas. Parce que j'ai des choses sur moi. Ah, vas-y, dégage. Dégage tout, dégage tout. Les champis, voilà. Ok. Ah, c'était chaud, là. Parce que si je peux pas manger ça, on est mal. Allez. Hop. Après, est-ce que les champignons, je peux les manger? C'est le problème. Hein. Je sais pas du tout si ça se mange. Je teste, hein. Les bleus, je suis pas sûr. Voilà. Mais lui, voilà, il peut être mangé. Donc on va le faire cuire. White mushroom. Mighty bull, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai faim, j'ai soif. Je vais retaper, il me faut des cocos. J'ai vu tomber, hein. Je l'ai vu tomber. Allez, là. Ok. Alors déjà, tu manges. Voilà, tu manges et tu bois. Ça, c'est le principal. Bon, je sais que j'ai des ressources ici, hein, au pire, s'il me faut du bois. D'accord. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a pas forcément... Si, si, il y en a quand même. J'allais dire qu'il n'y a pas forcément de notre coco, mais il y en a quand même, j'ai l'impression, assez souvent. Donc là, pareil, on mange. Ok, on s'est remis un peu d'eau. En attendant que ça se remplisse, mais bon, pour l'instant, il pleut pas, donc ça risque pas de se remplir. Nous, ce qu'on peut faire, là qu'on a fait un peu le tour, qu'on a récupéré quelques ressources, peut-on se crafter une baraque? R. Alors, ça sont les bases. Les bases des bases. Hein. Alors, la tente, elle est là. Juste par là, peut-être. Ok. Donc là, je peux pas le clipser car je n'ai pas fait le premier, c'est ça? Donc, ok. Et ici, il me faut deux logs. Donc, deux rondins. Parfait. Nickel. Bah pour le coup, c'est assez joli. Il doit en falloir quoi d'autre? Alors, par contre, moi, le problème, c'est que si... si ça se clipse pas, ça va pas me plaire. Hein. Ça se clipse. Ok. Un 4. Il veut pas? Ah, oh, sérieux? Ah si, j'ai eu peur. Là, pour le coup, il m'a fait peur. J'en ai là, donc je vais récupérer ça. Putain, c'est deux par deux. Hein. Oh là là, sérieux, sérieux! Allez, on finit ça.
Je sais pas trop les amis, vu que ça n'a rien rempli. Et quelle heure? 7h du matin? Ah, ça remplit là, d'accord. Ok. Vas-y, viens mettre une affection, toi. Tac! Et bim. Ah, ça t'apprendra à être là. Ah, de l'orage, oui. Remplis-moi mon réservoir. Ça, ça m'intéresse. Ok, donc ça, c'est fait. Peut-on faire... Ou surtout, peut-on mettre un escalier? Oui. Ok. Celui-ci ou celui-là. Bon, ça sera celui-ci forcément. Comme ça, par exemple. Je vais récupérer, il reste des rondins, je crois. On a quand même pété pas mal. Un ici. Et un là. En faut qu'un de toute façon. Ah non, c'était deux. Ben voilà. Parfait. C'est quoi ça? Ah, dis donc. Planche de surf. On récupère. Puis tu poses bah ça là, par terre. Je sais pas trop quoi ça va servir. De la déco, certainement. Donc là, est-ce qu'on peut boire? Il y a de l'eau ou pas? Oui, oh là, il y a de l'eau. Génial. On picole. Voilà. Allez, ça régale. Ça régale et pour le coup je me mets à l'abri. C'est bon, ça s'est calmé un petit peu. Bon, il pleut tout le temps. On va en profiter pour regarder ce qu'il nous faut pour faire le coffre. Car ça c'est quand même pas normal, il me faut un coffre. Dropbox, perfect to drop thing from your van. Pas vraiment sécurisé, d'accord. Ah mais j'ai pas le choix, mais d'accord. Pour l'instant. J'ai rien d'autre. Hein. En termes de coffre, c'est tout ce que j'ai. Allez, c'est pas évident. Hein. Donc on va quand même faire ça. Il faut 3 rondins et 2 sticks larges. Oh là là, la catastrophe. Catastrophe. J'ai une note ici. Hein. En attendant. Hop, on va remplir ça. Le troisième. Alors pour le coup, il n'y a pas de tuto. Hein. Ce qui est étonnant. Car il y en avait un qui était, ma foi, pas trop mal fait. Et là, pour le coup, vous êtes vraiment livré à vous-même. À moins que j'ai raté quelque chose. Ce qui peut être fort possible. Hein. Ça m'arrive souvent. Là, c'est du cas. Je récupère. Ouais, pour faire des cordes, il m'en faut. Ouais, j'ai plus de place. Non, j'ai plus de place. Par contre, on a de la place pour ça. Hein. Tac et tac. Et pour le coup, ouais, ça sera suffisant. Allez, accélère, Maurice. J'ai peur. C'est quoi ces vieux lags? Qu'est-ce que je fais là maintenant? Bah, il s'est passé quoi là? Je suis censé partir de l'autre côté là-bas. Bah, il se passe des trucs. Hein. Ah, c'est le début, hein, forcément. Hein, mais voilà. Quand même, c'est bizarre. Ok. Donc là, je peux mettre quoi? Mais là, en fait, il rajoute des choses. Ah, c'est un coffre à bordel quoi. C'est bien? Ah là, mais là, c'est n'importe quoi, les gars. On fait comment? Rendez-moi tout ça. Attends, je vais tout récupérer. Après, bon, je trouve l'idée plutôt intéressante. Hein, je mets tout dedans, mais bon. Si je récupère ce que je veux, enfin, des choses vraiment précises, je fais comment? Car là, je peux ouvrir éventuellement mon sac. Voilà, il est posé. Pas non plus obligé de faire n'importe quoi. C'est quoi ça? L'insecte. Ok. Le yucca, je pose. Là, c'est la manure pour l'instant, c'est vrai que j'en ai pas besoin. Là, les tissus, pareil. Pas vraiment besoin. On peut les poser. Je sais où ils sont. Ah, par contre, ils disent que c'est pas super sécurisé. Hein. Alors, je sais pas ce qu'ils entendent par là, mais c'est pas forcément fait pour me rassurer.
Et là, pour le coup, j'ai faim. La mouette vient là. Ah, je vais avoir faim, puis... Ok. Ça, c'est bon. On va se faire de la mouette. Des steaks de mouette. Hein. De la plume pour faire des flèches. Nickel. Une seconde mouette. Y a-t-il des participantes? Alors, c'est pas grave, on va manger du crabe. Hein. Hey. Alors pour le coup, je vire les pattes. Ça ne sert plus à rien. Ça dégage. Tac. Et en small stick, qu'est-ce que j'en ai? Que des pierres, il y en a. Il y a ce qu'il faut en pierre. Hein. Et j'ai une vue qui se trouve là. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors pour le coup, ça s'est pas trop mal fait. Hein. C'est compliqué pour nous, car on voit bizarrement. Mais c'est quand même assez réaliste. Ah, j'ai mis un coup direct. Mais c'est pas. Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Alors, on peut rajouter du bois, mais j'en ai déjà. Je vais mettre un pour l'instant. On start le fire. On tape tranquille sur F. Hein. Ok, c'est parti. Alors, on se fait chauffer ça. Le mythe. Non, pas ça. Et les cuisses. Ah, la grosse cuisse. Au final, c'est tout ce que j'ai. On va se manger ça, puis on va aller sauvegarder. Allez, dépêche-toi, accélère. Ok, il est 1h25. Ouais. Il va être l'heure d'aller se coucher. Je peux l'éteindre ou pas? Non, je peux pas. C'est pour ça qu'un bâton suffit, hein. Butterfly, je les prends. Là, je picole. Non? Ah si, quand même. Et là, donc, on se nourrit avec ce que l'on a ramassé, ce qu'on a fait cuire. Ah non, me dis pas que ma rotten meat, elle est foutue. Ah non, sérieux. Allez, on mange celle-ci. Qui était délicieuse, j'imagine. J'ai pas fait chauffer un bout de crabe aussi. Il est passé où mon bout de crabe? Komodo skin. Il est là. Ok, je l'ai. Tac, voilà. On se mange ça. Et pour le coup, une petite sieste. Alors la petite sieste, on va mettre 3 heures, déjà ça sera pas mal. Allez, sleep. Récupère un peu ton endurance. La fatigue, santé mentale. Mais le coup, du coup, j'ai encore enfin. Ok. On se lève. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce en l'air. À mettre un petit commentaire, j'y répondrai au plus vite. À vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, toujours gratuit. Hein, je le répète, c'est le fait d'être membre qui est payant. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de ce let's play et des autres dispo sur la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play.